Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. La cravate blanche est heureuse de vous présenter la vedette du spectacle, Claude Blanchard. Reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, jolie photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des bidoux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit? Où sans cesse, bon orphané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. J'ai commencé dans ce métier à l'âge de 10-11 ans. On avait à la maison souvent les parents le soir venaient à la maison, il y avait des petites fêtes, tout ça. Puis disons que ça commençait drôlement quand les ma tante et les mononcles en disant hey, t'sais, Claude, raconte-nous donc une petite histoire ou fais-nous donc une petite stepette. Et j'oublierai jamais, ma mère à ce moment-là avait une planche pour repasser son linge et je l'installais par terre. En me mettant les fers après mes souliers, puis et là, je faisais des petites stepettes pour mon oncle et ma tante. Et c'était un peu le début. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. C'est une maladie, je ne sais pas, mais si c'en est une, c'est incurable. Autant des fois, je faisais des farces avant de monter sur scène, puis là, à un moment donné, là, on voit le temps qui avance, et là, il reste 10 minutes, ça change. À 5, c'est encore pire, puis... Et là, quand tu arrives sur scène, j'ai vu déjà rentrer sur scène et essayer de m'allumer une cigarette, puis ça allait comme ça. Vous savez, j'ai travaillé pendant tant que années avec mon ami Léo Olivier, et tous les soirs, comment on commence ce soir? Ben, tu sais quoi, Claude? On commence comme d'habitude. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous savez que toute ma carrière avec M. Rivet, c'est normal qu'on ait fait à peu près tous les cabarets de la province de Québec, le Maine des États-Unis, on est allé un peu partout. Et c'est normal que Claude Blanchard était reconnu pour raconter des histoires, et même à la cravate blanche, tout ça. Et je me spécialisais beaucoup dans les histoires de gars pactés. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est pour ça que je prenais un verre pour pratiquer mon affaire un peu. Parlant d'histoires pactées, avez-vous déjà vu un gars pacté? Il y a un gars un de ces jours qui est pas mal pacté comme ça, puis
Il traverse la rue, puis il dit au gars, il dit, pardon, monsieur, il dit, pourriez-vous me dire à quel point se trouve l'autre bord de la rue? Mais le gars, il dit, mon ami, c'est l'autre bord. Il dit, drôle de coïncidence, j'en viens, puis ils m'ont dit que c'était sur le bord de cette... Il y a un vieux bonhomme, un de ces jours, pacté comme ça, il est au coin de Bleury puis Sainte-Catherine. Il est couché en plein milieu de la rue, la tête sur le canal. Le monde est ramassé autour, 2 heures de l'après-midi. Le constable arrive, il dit, « Hey, ami! »« Hey, ah oui! » Le gars dit, « Chut! Chut! » C'est le constable. « Chut! » »« Non, 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 tu retardes de trafic. »« Non, n'importe, n'importe, lève-toi! » »« Chut! » Il dit, « Monsieur le constable, ôte ton casque, là, puis couche-toi, ça. » Le constable, j'ai excessé, ça va, non? Chut! C'est haute ton casque. Viens te coucher, c'est de côté de moi. Le constable haute son casque, il se couche. Il dit, mets ton oreille sur le canal. Le constable. Non, il est fou. Il dit, on n'entend rien, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Il dit, chut! J'ai été le même toute l'avant-midi. Ouais. Je dois vous avouer que c'est pas la même cour que quand j'étais ici dans les années 38-40. Parce que nous, les cours en arrière, là, c'est la terre, les roches. Je sais pas si vous savez ce que ça peut faire de se retrouver ici. C'est quasiment imaginable. Ici non plus, je pense que même... Avec ma jeunesse, ça n'a pas été des années très adorables pour la famille. Si je me rappelle bien, ma mère payait comme loyer ici, je pense que c'était 12 piastres ou 12 piastres et demi par mois. Et elle recevait du gouvernement dans le temps peut-être 12 piastres par mois. Pour elle et les 4 enfants, on était 5 personnes tout de même. Ma mère était veuve depuis très jeune, à l'âge de 27 ans. Elle nous a élevés, les 4 enfants. Mon père est mort à 33 ans, d'une pneumonie pleurisie. Et on s'est promenés souvent, d'une maison à l'autre, tout ça. Tout le monde ici avait signé, peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie des gens avaient signé une pétition pour que... qui avait donné ça à la police du coin pour qu'on déménage la place. Et je vois encore, et j'entends encore les gens crier à ma mère, « Garde-les chez vous, ton gars! Parce qu'il va avoir un bon coup de pied en dessus! » Ma mère disait, « Mais allez-vous donc vos affaires! » Ben, je restais fermement, son jaloux. Il y a ici aussi qui était le marché Saint-Jacques où j'ai travaillé là, à l'âge de 10-11 ans. J'apportais des commandes avec un BC. Et pour vous situer un peu, je prenais mes commandes de l'autre côté et je passais par la rue Wolf, j'arrivais par la ruelle. Et je donnais toutes mes commandes que j'avais à livrer à ma mère. Et là, je défaisais les paquets avec ma mère. Et là, on regardait la commande. Disons, c'était 12 quelque chose du Sherbrooke ou sur boulevard Rosemont, boulevard Saint-Joseph. Je disais, écoute bien, man, ces gens-là ont pas tes troubles. Ces gens-là vivent bien. Je dis, m'a te montrer d'ailleurs comment est-ce que à la chope de viande, on enveloppe la viande de Mme Untel, en différence avec toi, quand tu achètes la viande hachée. Je me rappelle, ma mère allait chez le boucher, puis elle disait, 2 livres de viande hachée, là, la meilleure, madame, non, 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 vous savez, là, la plus cheap, là. Et le gars poignait ça avec sa main, même pas une cuillère, puis le gros paquet dans le papier ciré, puis c'est point. Mais quand c'était pour Mme Untel, sur la rue Sherbrooke, ou sur le boulevard Saint-Joseph, et que madame avait commandé, disons, filet mignon ou steak ou quoi, même la saucisse, c'était enveloppé et entre chaque morceau de viande, un petit papier cellophane pour pas que...
Alors je lui montrais ça. Alors on démanchait ces paquets et moi je m'étais apporté ici tout ce qu'il fallait pour refaire les mêmes paquets. Alors quand c'était des commandes importantes comme ça, là, je disais à ma mère, tiens, on va y en enlever trois, elle. Ça y enlève rien. Et nous, on mangeait avec ça. Et combien de fois ma mère disait, tu sais, Claude, c'est pas fin que ce que tu fais là, là. C'est volé, mais j'ai dit, mais tu dois pas être plus fine, toi non plus. Tu m'aides à envelopper, puis tu m'aides à sortir le stock. C'était une vie, mais une vie de misère. Ici, on est au coin d'Amherst, puis Amherst Square, puis là, vous allez sûrement voir le marché Saint-Jacques, tout ça. Et nous, ici, c'était le parc d'attractions. Ici, on jouait aux moineaux. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ne connaissent pas ça, là. Les moineaux, on se faisait ça avec un manche à balai, là, et on jouait au drapeau, un jeu qui était assez le fun aussi. On jouait au softball aussi. Alors, imaginez-vous ici que... Il y a une partie de softball, là, puis on était pas si pire que ça. Quand on frappe à la balle, là, ça s'en allait des vitres des voisins de l'autre côté, là. Ici, là, c'était le rêve de ma vie. Et c'est drôle, même si aujourd'hui, je pense que je fais une autre vie, c'est entendu. Je possède plus, j'ai plus de biens, j'ai... Mais, dans mon cœur, quelqu'un dirait, Claude, veux-tu revenir à 2103 à Meurs avec ta mère, puis tes frères, puis... Je dirais oui. J'ai commencé à étudier la claquette. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, c'était la seule école de claquette qu'il y avait à Montréal. C'était chez Frenchy Mendy. Frenchy Mendy était un noir, là. Et il y avait sa fille aussi qui était professeure, Jeannine Mendy. Et j'ai commencé à apprendre la claquette avec lui. Et je vous avoue que apprendre la claquette, c'était pas facile. C'était surtout les exercices. À un moment donné, on était à côté sur le mur, et puis là, il fallait que cette patte-là, le bout du pied, elle touchait au mur en haut, mais sans plier les genoux, là. Je veux dire, il y avait toutes sortes d'exercices comme ça avant de commencer à se faire aller les pieds. Et je pratiquais toujours avec un garçon qui s'appelait Marcel Miron, qui mesurait peut-être 5 pieds et 1. Il pesait à peu près dans les... mettons 90 livres mouillés. Et je pratiquais toujours avec lui. C'était un bon garçon. En fin de compte, quand il est venu le temps de faire le récital au bout de l'année, on avait monté un numéro ensemble. Et on a sorti de l'école de chez Mendé et on a décidé de se lancer tous les deux à grands pas dans le métier, comme danseur à claquettes. Et comme nous, on avait choisi... les Lucky Boys. Et ce qui était important pour nous à ce moment-là, c'est que si tu étais danseur de claquettes, c'est toi qui fermais le spectacle. Tu étais toujours en vedette. À un moment donné, il y avait un magicien, il y avait peut-être une danseuse orientale, un jongleur. Mais c'était la vedette, c'était les danseurs. Alors, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé. Comme danseur à claquettes, et le nom surtout des Lucky Boys, parce que si on portait pas un nom anglais, on dépassait pas la dublurie. Mesdames et messieurs, les Lucky Boys, Claude Blanchard et Marcel Miron. Mon cher Marcel. Mon cher Claude. Mais toi, on t'appelait Marc Michel dans le métier. Oui, oui, j'étais, oui. Évident. T'as pas tellement changé. toi non plus. Mais c'est incroyable. Parce que quand j'ai commencé à danser avec Marcel, on était de la même grandeur. Oui, oui, mais la mauvaise herbe, ça pousse vite. Mais la vieillesse, ça foule aussi un peu, hein? Oui, on l'avance. Ça doit faire une quarantaine d'années qu'on n'a pas dansé ensemble. Oh, ça fait plus que ça. Oui. T'as au moins 50 ans. 50 ans déjà. Ouais. T'es rendu que là, je te le pire, là. J'approche le 70. Mais c'est vrai qu'il a 70 ans. Mais toi, t'es rendu quel âge, là? Il y a un pont, je sais pas si tu t'en rappelles, n'est-ce pas?
T'en as battu de ça? Ah oui, donc, ouais. Es-tu capable de... Es-tu capable de le faire de l'autre jambe? Ben ouais, là. J'ai toujours travaillé des deux côtés. Ah, je travaille. C'est réellement bon. J'en ai un autre pas comme ça. Ouais, oui, là. T'es sûr que c'est pas 75 que t'as? Pas loin. T'en avais-tu de celui-là? Ouais. Attention à ça, mon garçon. C'est pas mal bon. va t'en montrer un autre, c'est bien. T'as un 55, toi. Et tu te rappelles du top-step? Ben oui. C'est. Pour notre âge, ouais. Ça me traînera pas encore la lumière, non, tu sais. Écoute bien, Marcel. Oui. Tu vas entendre cette musique-là et ça va te rappeler une petite routine, qu'on faisait il y a 50 ans. Ah. Qui brille ma salinée à dessin, sous la lune d'or qui brille, au firmament, faisant des serments d'amour, la nuit et le jour. Oh, 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 Ce qui m'a décidé vraiment à accrocher mes souliers, c'est que j'étais allé voir un danseur qui était à la Casaloma, un Américain, et qui faisait de la claquette sur une musique d'ailleurs que j'adore, qui était Begin the Begin. Et je voyais ce gars se promener sur scène. Il faisait tellement de rythme et de pas que là, c'est là que j'ai dit, non, ça fait... Je n'oublierai jamais, j'entendais la musique When the Begin... Là, j'ai dit non. J'ai dit, si lui peut faire tout ça avec ses pieds, moi, je vais chez nous. Et c'est là que j'ai accroché mes souliers. J'ai toujours porté une cravate blanche. Depuis que j'avais 16-17 ans. Et d'ailleurs, ça c'est devenu quasiment une marque de commerce.
Et c'est devenu tellement commercial que j'ai ouvert l'hôtel, la Cravate Blanche, dont j'avais une cravate blanche, là, qui était de 34 pieds d'hauteur à la porte de mon hôtel. Et en ce moment, je suis sur les terrains de l'ancien Danube Bleu. D'ailleurs, c'est ici que je me suis marié. Deux erreurs dans ma vie. Je me suis marié ici, j'ai acheté l'hôtel. C'est une farce. Et après, bien, c'est normalement, c'est ici que j'ai fondé la Cravate Blanche, que je pense que beaucoup de monde en province ont connu, où on avait beaucoup de spectacles, tout ça. Alors, la Cravate Blanche était située ici. Dans le moment, si je me place ici, là, c'était la scène. C'est un peu ici que je disais... Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir, en grande vedette à la Cravate Blanche, mon ami de toujours, Fernand Gignac. Flanant au hasard des rues, oh yeah. Vous rencontrez une ingénue. Au lieu de vous méfier, vous vous croyez à l'abri. Bon, bon. Piège et vous êtes pris. Vous la quittez le jour suivant. Ah, ça, c'est bien toi, ça. Vous rêvez d'elle à chaque instant. Ah, ouais. En vous frôlez sa mèche, ça vous fait un drôle d'effet. Bon, 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 bon. Et oh, l'amour vous tend sous piège et vous êtes fait. Yes, sir. Oui, du plaisir, la Cravate. C'est vrai, c'est vrai. Elle chantait le « Donnez-moi des roses ». Oui. Tant que tu disais « Donnez-moi des roses », moi, je donnais des cravates blanches. J'oublierai jamais, là, du temps où on faisait des amateurs, les stades, les cours d'école. Oui. La première fois que je t'ai vu, j'ai jamais oublié ça, tu chantais dans la cour d'école soir au coin de la fontaine et puis Papineau. Tes petits pantalons courts avec tes petits boutons ici. Là. La chemise en satin que ma mère m'avait fabriquée. Oui, ouais. Monsieur. Je te vois encore. Là. Quelle fabance, c'est vous, maître Tapia. Quelle fabance. Mais toi aussi, t'en étais à tes débuts, hein? Qu'est-ce que tu faisais? J'étais à mes débuts, moi. Oui. Je passais après toi. Je faisais un numéro de claquette. Oui, mais moi, le plus drôle, et ça, c'est vrai, moi, j'avais pas été à l'école dans ce temps-là, la claquette. Là. Le de la dessi, cavario bi. C'est tout le temps, avoir passé par là. On chantait beaucoup du Trenet. Ah, ben oui. Comme on va toujours en chanter d'ailleurs. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer. Les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, ton fond, ses blancs boutons. Avec les anges si purs, la mer a versé mon cœur. C'était l'époque des chanteurs comme Perry Como, Andy Williams, Bing oui. Crosby. Il y avait surtout Nat King Cole, pour lequel tu as toujours d'admiration. Hein. Trop jeune alors pour vivre à deux. Trop jeune alors pour être heureux. And then someday they may recall we were not too young. Je me rappelle, la Cravate Blanche, tu étais souvent porté à imiter Chevalier. Tu chantais, entre autres, tu sais... Ah, ben oui, c'est des chansons anglaises.
Grab your coat and get your hat, leave your worries on the door. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde de côté, là. Oui. Avec ton appendice nasal. La nose comes up. Oui, oui, mais je te verrais mieux chanter cette chanson-là à la façon de Jimmy Durante. Ah, je peux te le faire. Hein, hein? Si vous avez des ennuis, laissez-les à votre porte. Ne laissez entrer que les jolies choses. Que les jolies choses. Les jolies choses de la vie. Ouais. Mais tous ces succès, toutes ces chansons, ça ne nous rajeunit pas, ça, hein? Non, monsieur, non, monsieur. J'avais 20 ans. Ça fait longtemps. Hein? Pour les yeux d'une femme. Oh, t'avais des yeux un peu pour toutes les femmes, toi. Comment ça, rien, là? Ces mots d'amour faisaient battre mon cœur. Moi, on perdait le bien, tout ça. Oui, oui, oui. Pour être aimé. Ah, ça. J'aurais vendu mon âme. J'aurais vendu ma grange, mon père. Et de mon sang, j'eus payé ce bonheur. Ah. 20 ans, tous ces cheveux et tous ces dents, c'est l'aurore, c'est le printemps. 30 ans, voici le premier cheveu blanc, on l'arrache en souriant. 40 ans, bien, on s'arrête. Car si on veut arracher tout, à 50 ans, notre tête serait plus lisse qu'un caillou. 20 ans, mon Dieu, c'était longtemps, ce dicton à 60 ans. 20 ans, j'étais plutôt fou que méchant, mais c'était si palpitant. Mais 70 ans, ça va. C'est pourquoi, pendant qu'il y en est temps, profitez-en, ayez 20 ans. Mais qu'est-ce que tu ferais si tu l'avais 20 ans? Hein? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 20 ans? Oh, je recommencerais à zéro. Hein? On est déjà rendu là, là. Ferland, écoute, il y a une chose que je dois avouer au public ce soir. Je pense que j'ai jamais parlé de cette chose. Vous savez que Ferland Gignac, c'est Ferland qui m'a fait en disquer mon premier disque. Ouais, mais le public m'en a toujours voulu, d'ailleurs. Pas juste le public, le producteur aussi. Oui, d'ailleurs, c'est toi qui m'as fait en disquer Que reste-t-il de nos amours. Oui, puis d'ailleurs, chaque fois que Charles Trenet vient ici, il me demande les paroles. Oui. Et puis, on cherchait une chanson pour l'autre côté après. C'est ça, oui. Là, je t'avais suggéré un succès d'Eddie Constantine. Eh oui. Dun, dun. On l'a refait? Oui, oui. Donne-moi la lune, donne-moi la main, une jolie fille qui me convient. Je m'en tirerai bien. Même ce soir, un bord de bois, au fond le parc, pour elle et moi, et pour le reste, je m'en tirerai bien. Voici tous les gars comptent sur la chance. Moi, je ne m'en fais pas. Ouais, je m'en balance, la chance, je l'ai en moi. Fais-moi confiance, je saurai bien passer le temps jusqu'au matin. Mais oui, mon vieux, dun, dun, dun. Oh, choubidou, bidou, bidou, bidou.
donne-moi le ciel pour couvrir le lit. Sème des fleurs sur le tapis et pour le reste, je m'en tirerai bien. Ah oui, il s'en tirera bien. Donne-moi ce soir, donnez-lui ce soir, un peu d'air pur, un peu d'air pur, beaucoup d'espoir. Toute la nature est pour le reste. Et après, mon grand, je m'en tirerai bien. Il s'en tirera bien. Quand dans le ciel, étoile s'allume, c'est comme un clin d'œil d'un ami lointain. On suit le bon chemin. Faites-moi confiance, il va écouter au bonheur l'éternité. Je me rappelle quand j'ai arrêté de boire, j'étais seul à la maison. J'oublierai jamais l'heure, il était 8 h moins quart, je savais qu'il y a un film qui commençait à 8 h. Et j'ai pris la bagardise. Et moi, c'était pas le petit 26 onces, là, c'était la grosse bouteille avec la poignée. Je pense qu'à un moment donné, aussi, tu te mâches les quins un peu, ça prend une poignée pour pas la renverser. Ça. Et là, je me suis fait un bagardier. Et j'étais tout seul dans ma maison. Et là, tu te regardes dans le miroir. Puis là, tu te parles. Moi, je me suis parlé en disant, regarde où c'était rendu, là, gros fou. Et je m'haïssais. Ça a peut-être l'air exagéré, mais si tu te regardes dans le miroir, là, tu sais, puis t'as l'air d'une espèce de grenouille ou un wawaron écrasé par un camion, là, tu sais. Tu sais, t'es enflé un peu, puis la bédane grosse comme ça, voilà ça, là. Tu travailles plus. Tu dois beaucoup d'argent. Alors, ça a été ça. Moi, j'ai pris le verre, je l'ai jeté, j'ai mis le bouchon dessus. Et moi, Louise, et mes enfants, ça faisait 3 mois et demi que j'avais pas touché un verre quand je les ai dit. Personne ne s'est aperçu de ça. C'est donc que je me dérangeais pas tellement. Et il y a une anecdote aussi que j'oublierai pas. Un jour, je dis à Louise, tu sais, c'est pas drôle, tu vois des gens qui prennent un verre, là, puis ils laissent les enfants de côté, puis ça va se coucher dans l'après-midi, tout ça. Et je me rappelle, un jour, Louise est arrivée à la maison, et je dormais. Elle m'a réveillé. Elle dit, tu te rappelles, parce qu'elle a jamais bu de sa vie. Elle dit, tu te rappelles, tu m'avais dit qu'il y a des gens qui s'occupent pas des enfants, puis ils dorment dans l'après-midi. Elle dit, toi, là, t'as commencé ça, là. Tu dors l'après-midi. Elle dit, moi, j'aime autant te le dire. Moi, je peux pas vivre comme ça. Elle dit, là, t'as commencé à t'endormir l'après-midi, toi aussi. Fait qu'elle dit, tu devrais y penser. Tout ça pour dire... merci, Louise. Chose peut-être que les gens ne savent pas de Blanchard. J'ai été le premier comique dans les cabarets à travailler avec un tuxedo en soie puis la cravate blanche. Puis parce que les comiques, c'était un temps, je veux dire, pas sur les dernières années, mais les gens travaillaient avec des pantalons plus grands, un veston qui est exagéré, petit chapeau. Quoique moi aussi, au début, j'ai travaillé avec le petit chapeau parce que un jour, M. Petrie, Arthur Petrie, qui a été le partenaire du père Guimond pendant des années, était rentré au Théâtre canadien en bas. Et je venais de finir la comédie en haut. Et ça m'avait touché, ça me touche encore de vous le dire. M. Petrie avait pris son chapeau,
Il dit, tu sais, mon garçon, moi, j'ai laissé le métier il y a quelques années, même que sa femme travaillait encore là. Il a pris son chapeau et me l'a mis sur la tête. Il dit, je pense que t'es le seul qui peut faire honneur à ce chapeau-là. Vous savez, depuis des années, Claude Blanchard a été connu pour faire des histoires un peu partout dans les cabarets de Montréal, tout ça, et même à la cravate blanche. Et jusqu'à temps qu'un jour, ça m'a fait jongler, le comique. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de chanteurs de charme qui prenaient beaucoup de place, et les comédiens étaient mis de côté un peu. Les chanteurs de charme prenaient la vedette du spectacle et partaient avec les filles le soir. Les filles avaient moins confiance aux comiques. Alors un jour, je me suis dit, pourquoi pas, Claude, que tu ne deviendrais pas un chanteur de charme? Et puis un soir, je suis à la maison, je regarde la télévision et je vois un beau garçon qui chantait très bien d'ailleurs, tout ça. Et je me disais, pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Alors je me suis regardé dans le miroir. Et j'ai dit, Claude, fais de la comédie. Alors le beau garçon que je vous parle, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi. Mesdames et messieurs, Pierre Lalonde. The one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais vouloir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue. Je suis malheureux d'avoir si beau le mot t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est de près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, formidable. How can you see me, see me, see me, see me now? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Ah oui? Pour te plaire. Où ça? Dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas. Viens-toi dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Toi qui te moques de moi et de tout. Avec ton air canaille, canaille, canaille. Je peux vous dire que moi, la religion, pour moi, c'est très important. On a été élevé comme ça. Même à l'âge que j'ai aujourd'hui, je n'ai pas de gêne à vous le dire. Je ne connais pas ça, me coucher sans faire ma prière. Jamais j'ai quitté ma maison.
sans faire ma prière. Je vous avoue que je ne cours pas les églises, non. Quand j'ai affaire à parler à quelqu'un, j'y parle à lui, en haut. Et j'en ai confiance, parce que je sais que ma mère est avec lui. Et je commence toujours par le demander à ma mère, parce que j'ai dit, je suis sûr qu'elle doit être après lui, puis elle doit dire, écoute bien, mon fils en bas, il a besoin de quelque chose, ça. Et j'y crois beaucoup. Parce que tout ce que j'ai demandé dans ma vie, je vous dis pas que je l'ai eu le lendemain, mais j'ai pas mal tout réalisé, ce que j'ai voulu réaliser dans ma vie. Et même encore aujourd'hui, j'y parle encore. Un autre à qui je parle encore. Même s'il n'est plus là depuis des années. Comment voulez-vous oublier un gars de même? C'est mon bon ami Léo Rivet. Léo Rivet, ça a été très important pour moi dans ma vie. D'ailleurs, je me rappelle la première fois que j'ai demandé à Léo de travailler strictement pour moi. Léo travaillait à la Tour à Québec. Alors, j'ai appelé Rivet, j'ai dit, Monsieur Rivet, j'ai dit, je voulais vous demander si vous voulez travailler strictement pour moi. J'ai dit, je suis au Café de l'Est, puis la semaine prochaine, mais j'aurais besoin de quelqu'un, ça. Alors, Léo est descendu, on a travaillé au Café de l'Est, quinzaine de jours. Et je dois vous avouer que ça a duré 36 ans. Georges Sibiès! Qu'est-ce que tu fais là? Quelle raison que tu me frappes, non pas qu'un naft? Je t'ai pas frappé. Hein, tu m'as pas frappé une chance, moi, que je m'en tue, là. Naft-toi pas. Voyons. Non. J'ai frôlé ton épaule. Bon, mais frôle pas si fort. Voyons, je t'ai donné une petite tapette. Ça m'a fait beaucoup de peine quand Léo est mort. Même que des fois, je dois vous avouer, des fois, je me sens quasiment responsable. C'est peut-être aller loin un peu. Parce qu'il avait écrit une lettre à un journaliste. Il dit, vous savez, je suis hospitalisé, tout ça, et puis j'ai plus tellement le goût de vivre. Parce qu'il dit, maintenant, c'était bien écrit comme ça, Blanchard, il est rendu qu'il fait du cinéma, il fait du théâtre d'été, tout ça, puis on travaille plus ensemble. Les cabarets, c'est pratiquement fini. Et je me rappelle que j'étais venu ici dans l'après-midi, au bar. Et on m'a dit, Léo est hospitalisé. Alors, je suis monté à l'hôpital. Parce que je m'en allais travailler au Lac-Masson. Et je suis rentré dans la chambre. Léo était dans le coma. Un peu... YouTube, un peu partout, tout ça. Je suis allé travailler. Je suis revenu. Et je suis retourné le lendemain soir. Il était encore dans le coma. Et ça, c'est une image que je n'oublierai pas dans ma vie. Et je vous avoue, franchement, je suis allé voir la garde malade. J'ai dit, écoutez, il me semble qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire quelque chose. Elle dit, vous savez, M. Blanchard, elle dit, M. Rivet, là, il peut vivre une heure, quatre heures, une semaine, un mois, comme ça. On ne sait pas, mais nous, on ne peut pas faire autre chose. Il n'y a pas rien à faire. Je suis retourné dans la chambre. Et puis, je me suis mis à genoux dans la chambre tout seul. J'ai demandé au bon Dieu, j'ai dit, faites-les mourir, ça n'a pas de sens. Dépêchez-vous de le faire mourir. J'ai pas de gêne à vous dire que j'étais à genoux tout seul. Puis je demandais qu'il meure. J'ai sorti de la chambre, je suis allé dans mon auto en bas et j'ai pris mon cellulaire, j'ai appelé ma femme. Je dis, écoute, on est dans un spectacle qui n'a pas de sens. J'ai dit, je sais pas ce qui arrive, là, mais... Fait que Louise voyait bien que je filais très mal. Elle a dit, écoute, reste pas là, là. J'ai dit, je veux rester ici jusqu'à temps qu'il meure. Elle a dit, fais pas ça, viens à la maison. Fait que je me suis tourné à la maison. Et puis, le téléphone a sonné. Léo venait de mourir.
chaud, monsieur Socle, la vendit petit voyou, et vous la désoufflez, les tailles dans mon bras, c'est pas moi, et qu'elle est finie, c'est pas moi, et tu fais aussi, c'est pas moi, c'est le samedi, c'est pas moi, et tu fais aussi, talam, talam, talam. Cédric, si tu savais tous les beaux souvenirs qui me passent dans la tête en ce moment de voyant dans cette chaise-là. Nestor, c'est un personnage qui était tout simple. Puis moi, je suis pas un gars compliqué, puis je suis pas un musicien compliqué non plus. Puis les messages que Nestor passait, c'était des messages simples pour le public, pour des gens ordinaires, là, tu sais. Au début, moi, Nestor, je pense pas que c'était le vrai personnage pour les enfants. Parce que tu te rappelles, je parlais beaucoup de politique, oui. De sexe. Les gags étaient plus faits, je veux dire, pour les adultes. Oui. Et même quand je parlais avec M. le curé, tu sais... Oui, oui. Ben, t'en profitais pour passer des messages aussi. Ah, hein? Ben oui, c'est ben un oui, petit peu... Oui. C'était dans le vrai sens du chansonnier. Ben oui. Nestor, c'était un chansonnier parce qu'il passait des messages politiques, il passait des messages... Et toi, dans le fond, tu regardes ça, puis il y a sûrement de la musique à mettre là-dessus. Ben, c'était pas compliqué, moi, je connaissais trois accords. Ouais. Le plus gros, le plus grand, et travaille sur son monde, et prend un coup tout le temps. Regarde, Nestor, on ne dit pas qu'il prenait un coup tout le temps, on dit qu'il s'enivrait légèrement, il manquait de travail. Ah, pourquoi que tu ouvres pas une job? Ben, c'est ça. J'suis pas de mal, le corps est fini. J'suis pas de mal, mais c'est aussi. J'suis pas de mal, c'est le samedi. J'suis pas de mal, mais c'est aussi. Hey, ça rappelle les souvenirs, là. Oui, monsieur, oui, monsieur. Mais je pense, la chanson que tu as faite pour moi, celle-là, tu ne l'as pas faite pour Nestor. Les petites filles me travaillent? Oui, parce que ça me travaille encore. La prochaine chanson, ça, je peux te dire que... Le tube, des milliers et des milliers et des milliers de personnes ont chanté cette chanson-là. Comme tous les petits gars de mon quartier, c'est à balle comme il que je passe l'été. C'est peut-être pas l'endroit rêvé. Ça, c'est pas. Jouer les espoirs. Je parle à l'école, puis je mors la gomme. Les grands orages frappés au moins. C'est ça, c'est fort. 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 Hey, hey. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, Doc Stoppard. Il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Et là, quand je vous parle, je pense à celui qui m'a amené ici à Radio-Canada. Un jour, je travaillais au théâtre pour le Père Grimaldi. Et je dis bien mon bon ami Doris Lucier. M'avait vu au théâtre. Et il avait appelé Roger Lemelin, il dit... C'est-à-dire, il n'avait pas téléphoné à Roger. Il avait envoyé un petit papier, c'était à peu près grand comme ça, d'ailleurs. Il me l'avait laissé après.
Et c'était marqué sur le papier, « Bon cher Roger, en ce moment, je suis au théâtre du Père Grimaldi et je travaille avec un gars qui a une face de bandit, mais sympathique comme t'as jamais vu. Il s'appelle Claude Blanchard. Et je pense que si tu viens le rencontrer, ça serait un gars que tu pourrais te servir dans le petit monde du Père Gédéon, la pente douce. Et j'ai jamais oublié ce soir-là que M. Leblay avait était venu dans ma loge. Et ça cogne dans ma loge. Tu dis, vous êtes M. Blanchard? Je dis oui. Il dit, mon nom est Roger Leblay. Vous commencez dans la pente douce lundi. J'ai quasiment perdu connaissance. Ah, entrez. Bonjour, Mme Leclerc. Hey, moi, le canapé, la mutimée, Père Campo. Hein? Un petit coup, Père Leclerc? Non, non, non. Hein? Si tu mourras, il n'y en veut pas. Allez, venez, venez, venez. Mettez donc vos costumes d'infirmier, c'est si beau. Lâche-toi, Stan, ouais, commençons. Oui, 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 commence. Si mécanique. Ouais, pour l'épinette, je m'en vais bûcher ta barouette. Plume au chapeau et le cœur tout en risette. Je m'en vais bûcher ta barouette. Il y a plusieurs années, quand j'avais Claude Blanchard chaud, modestie mise à part, je pense que j'étais entouré de belles filles. Et c'était reconnu dans l'émission Claude Blanchard. Et quand on m'a demandé pour faire le spécial ici, on m'a dit, écoute, Claude, est-ce qu'il y a des femmes que tu aimerais avoir autour de toi? Alors, je me suis senti un peu gâté. Ben, j'ai dit, écoute, tant qu'à y être, c'est aussi bien de choisir une des plus belles femmes du Québec. Mesdames et messieurs, Missou. Bonsoir, Missou, mon beau chéri d'amour. Monsieur Blanchard. C'est la fausse représentation, ce que vous faites là, hein? Vous savez que ça pourrait vous coûter très, très cher. Je m'excuse, Mitsou, mais qu'est-ce que tu veux? C'était un rêve de jeunesse. Un jour, d'avoir deux Mitsou.
rappelle les moments du cinéma, d'ailleurs. Le premier film que j'ai tourné, c'est, je pense, c'était avec Denis Arcand. Dans Gina, avec Céline Lomaise. Eh bien, pour la grande parade, vous allez être en évidence. Hein. Je vous ai trouvé le plus beau cheval blanc. C'est vous qui allez être en avant. Tout seigneur, tout honneur. Je vais monter à cheval. Le premier en avant. Bon, les chevaux, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça va l'air à faire votre affaire. Non, mais on n'a pas moyen, par exemple, de... un char allégorique avec les musiciens, quelque chose comme ça. Un cowboy qui a peur des chevaux. Non, c'est poussé un peu fort. T'es certain que tu te retrouves dans tes films? Ah, c'est pas des vrais films, c'est du théâtre pour leur faire peur. Hector, tu sais que je t'aime pas. Mais pas du tout. Emma, je vais te dire quelque chose. J'aime ta manière de ne pas m'aimer. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas capable. Quoi? Je suis pas capable. Ça pouvait coucher dans sa loge. Comme dans le temps. Je pouvais pas lui refuser. La Corona, c'est un peu chez elle. Elle avait l'air bien fatiguée. Monsieur Coulon. Je m'excuse, monsieur, je suis sergent détective François Bastien de la communauté urbaine de Montréal. Je vous présente mon partenaire, Marcel Brosseux. Bonsoir. Bonsoir. On va vous demander de nous suivre, s'il vous plaît. Mais je vais vous lire vos droits. Des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je souffre, pourquoi je cours? Je suis la loi dans les fonds courts. Je suis la loi de la bouteille. J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je souffre, pourquoi je... Puis tu peux me dire qu'est-ce que c'est cette chanson-là, oui? Ça, c'est ma mère qui me chantait ça pour m'endormir quand j'étais un gros petit bébé. Oh, ben viens, viens. Prends ça, ça va être bon pour ton trémolo. Chante-moi dans ça encore une fois. J'ai des puces dans les oreilles, des fourmis dans les orteils. Pourquoi je joue, pourquoi je cours? Et on le dit dans les fonds de cour. Je suis le roi de la bouteille. Je me souviens. Of course, c'est la devise du Québec. Quoi? Je me souviens. Je me souviens pas. Depuis quand? Depuis qu'on a tout oublié. Vous savez, depuis quelques années, j'ai été gâté par le cinéma, que je trouve extraordinaire d'ailleurs. Mais il y a la télévision aussi, qui est assez extraordinaire. Parce que souvent, les gens m'envoient la main dans la rue ou dans des centres commerciaux en disant « Hey, Claude, comment ça va? Ou M. Blanchard? » Parce que ces gens-là ont l'impression de vivre avec moi tous les soirs parce que je rentre dans leur salon. Alors, je pense que la télévision, c'est une belle invention. Le MétroStar coup de cœur cette année va à une carrière avant tout, à un homme de métier. Le métier, c'est ni plus ni moins des milliers d'histoires, des grandes peines, des grandes joies, des victoires, des défaites, des amours inachevés ou non. Le métier se fait cher et s'inscrit dans notre visage, dans notre cœur, dans notre âme. Et laissez-moi vous dire que le métier s'est installé confortablement et depuis longtemps dans le cœur, les yeux et l'âme de mon ami, Claude Blanchard.
Il voulait savoir comment j'ai appris que Godin avait pas remis dans les coffres de l'Union nationale l'argent qu'on a ramassé pour le parti. Tu le suis comment? Ça fait des années que j'agis comme conseiller pour la maison. Il y a bien des gens qui me doivent des services. Le docteur était pas là? Non. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis parti. T'es parti? J'ai eu la chienne. Mais niaises-tu? Je viens de te le dire. Bonsoir. Peux-tu regarder comme il faut? Quelle heure je pense que j'ai? Tu penses que je vais aller me payer 10 ans dedans? Tu sais bien que t'en feras pas 10. T'en feras pas même 4. Mais là, là, nous autres, on a besoin de savoir si au moins t'es prêt à nous aider. Hey, je t'avais donné ma chemise tellement que je te faisais confiance. Mesdames et messieurs, je vous remercie royalement maintenant de faire partie de vous. Merci beaucoup. Moi, quand on a dit à M. Blanchard, faut qu'on vous opère pour le cœur. Moi, j'ai pas de honte à vous le dire. Je pleurais comme un enfant, tellement j'avais peur. Et après que j'ai eu passé mon cathéter, le médecin a dit, écoutez, M. Blanchard, vous devriez rester ici, là, parce que c'est important. On pourrait peut-être vous opérer le plus tôt possible. Ah, j'ai dit, non, 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 non. Moi, vous me... Non. J'ai dit, un artiste, on s'y passe en deux. Non, monsieur. Et je me rappelle, mon fils était avec moi. Il dit, ben, écoute, ben, là, tu devrais écouter, là, si... non. Et la première chose que j'ai dit au médecin, j'ai dit, écoutez, est-ce que il y aurait une possibilité que vous pourriez me garder vivant 5, 6 ans, je ne sais pas moi, 4, avec des pilules? Moi, je ne veux pas passer à ça. J'ai dit, écoutez, M. Blanchard, on ne sait pas. Vous pouvez sortir d'ici et faire une crise. Puis des fois, c'est pas juste la mort, c'est paralysé, puis... Non, j'ai dit d'une manière ou d'une autre, moi, je sors. Et j'ai sorti. Et j'ai demandé au médecin de me donner ma cassette. C'est drôle de vous dire ça, là, parce que ça, c'est tout enregistré, hein, sur vidéo. Et j'avais l'air d'un gars qui allait... J'allais dans les hôpitaux montrer ma cassette. Parce que moi, j'ai dit, peut-être qu'ils sont trompés. Comme un gars qui va vendre sa chanson. Il dit, je viens de faire une cassette, écoutez ça. Alors moi, je suis allé dans les hôpitaux montrer ma cassette. Et la dernière que j'ai fait, ça a été l'Institut de cardiologie de Montréal, dont la directrice est une amie de Louise Bureau, qui écrit souvent des textes pour moi, qui est une grande amie d'ailleurs. Et là, on m'a donné l'heure juste, en me disant, écoutez, M. Blanchard, la cassette est très bien faite. C'est en plein ça, c'est l'opération où... Et là, je me rappelle, mon fils puis ma femme m'attendaient à la porte de l'hôpital. Là, j'ai embarqué dans l'auto moins joyeux. Mais je voulais toujours pas me faire opérer. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a Louise qui me dit... Elle dit, écoute... Elle était avec mon fils, elle dit, si t'as pas besoin de nous autres... Nous autres, on a besoin de toi. Et ce soir, je vois des gens qui sont dans la salle et je sais qu'ils m'aiment, que je les aime. Et il y a une personne qui est ici. Et je pourrais dire que
Elle m'a sauvé la vie. Et c'est ma femme, Louise Harrison. Merci mille fois d'être venu ici ce soir. Merci beaucoup. Merci. Depuis l'opération, je dois avouer que j'ai appris à aimer autre chose. Tout autour de ma maison, maintenant, je veux dire, en revenant de l'hôpital, j'ai mis des fleurs partout. Et je m'amusais à arroser ça et d'en avoir soin tous les soirs. Et aujourd'hui, j'aime ça, voir le vert, les arbres, tout ça. Je veux dire, j'aime tout ce qui vit. Tout ce qui vit. C'est bien important pour moi maintenant. Et je suis attaché à plus à des vraies valeurs, disons. Et avec tout le monde. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une autre vie. Je veux dire, c'est plus la même chose. C'est plus le gars qui s'assoit dans un bar et qui envoie un autre, envoie la traite à tout le monde et tout ça. Moi, ce temps-là, c'est fini. Ce que je demande, c'est de vivre tranquille et de faire ce que je fais aujourd'hui. Veux pas, à moins que quelqu'un soit bien hypocrite. Quand les gens nous saluent et qu'ils nous reconnaissent, c'est flatteur de ma part. Très flatteur. Et moi, gênez-vous pas quand vous me rencontrez. Dites-moi bonjour. Je vais vous répondre. Faites attention. Hein. Des fois, je n'entends pas. C'est pas parce que je voudrais pas vous répondre. Arrangez-vous d'être sur le bon côté. Vous ne serez pas désappointé.